Nous allons commencer notre célébration eucharistique. Nous commençons avec le chant d'entrée. Bien-aimés de Dieu, Kouei, bienvenue à notre célébration eucharistique de ce dimanche 16 juin 2024. Avec l'Église, nous célébrons le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, mais aussi nous célébrons la paternité, nous célébrons la fête des pères. Voilà pourquoi, au cours de cette célébration eucharistique, nous allons penser à tous les papas du monde entier, mais surtout à ceux de nos différentes communautés. Nous allons penser à tous ces papas malades qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, que le Seigneur, lui, médecin par excellence, leur accorde la guérison du corps et de l'âme. Nous allons également penser à tous ces papas qui nous ont précédés dans la maison du Père, demandant au Seigneur de leur accorder un repos éternel. Et nous allons prier spécialement au cours de cette célébration eucharistique pour le repos des âmes de Normand Fontaine, recommandé par un paroissien. Sylvie Régis, premier anniversaire de décès, recommandé par la famille. Clémentine et John Grégoire, recommandé par les enfants. Stéphane Roque et Louis-André Ambroise, recommandé par Jacinthe. Et enfin, nous prierons pour le repos des âmes de Paul-Émile Fontaine, chrysologue Bacon, recommandé par Hélène et Alexis Fontaine, que le Seigneur leur accorde un doux repos dans son royaume. Préparons-nous maintenant, frères et sœurs, à célébrer dignement cette Eucharistie
en reconnaissant devant le Seigneur que nous avons péché et implorant sa miséricorde sur chacun et chacune de nous. N'était pas timide chaune. Tima Chemdo, Casino Kandautad, Stuma Chenumetat, Chima Kashimatak, Kapastatiak, Keutetak, De Eaput Kainiu Nanut. Tinde Vermiat, Jovenina. Tinde Vermiat, Jovenina. Et Miatao. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Deo tcheshushkinis tchikus, katupenumut kienetchem domnan, katupendak chetin mak menomando, dish eyaput kieyaput. Écoutons à présent la parole de Dieu. Est-ce que Jean-Régis est là pour la lecture? Ben, s'il n'est pas là, nous prendrons une autre personne. Madame Céline. Mais la lecture se fera en français parce que Jean-Régis a gardé l'affiche avec lui. Là.
Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux, toutes sortes d'oiseaux, à l'ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé, je le ferai. Parole du Seigneur. La page 227. La page 227. Oui, mais ton Dieu, camino, marido, oui, Alléluia, la semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 alléluia.
Ma Vita Pemita, Kat Pemita. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier, acclamant la parole de Dieu. Une fois de plus, bien-aimés de Dieu, oui. Comme annoncé au début de notre célébration eucharistique, nous célébrons aujourd'hui le 11e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Mais aussi, nous célébrons la paternité, nous célébrons la fête des Pères. Et comme je l'ai dit aussi au début de notre messe, nous aurons une pensée pieuse, n'est-ce pas, pour tous les papas du monde, mais aussi, d'une manière particulière, de tous les papas de nos différentes communautés. Nous prierons aussi pour tous ces papas qui nous ont précédés dans la maison du Père. Nous allons demander au Seigneur de leur accorder un doux repos dans son royaume. Oui, frères et sœurs en Christ, les textes de la parole de Dieu de ce dimanche nous parle ou alors nous fait découvrir les mystères du royaume de Dieu. Les textes décrivent le royaume de Dieu à travers des images ou encore des réalités qui nous sont familières. Les images utilisées dans la première lecture et l'évangile sont celles d'un arbre, le cèdre, et d'une semence, d'une graine de moutarde. Et maintenant, nous pouvons nous demander ce que ces images représentent. En fait, le semeur dont il est question dans l'Évangile, c'est Dieu. La graine ou la semence jetée dans la terre, c'est la parole que nous écoutons et accueillons dans nos cœurs. Oui, frères et sœurs, pour découvrir le règne de Dieu en nous, nous sommes invités à disposer nos cœurs pour accueillir la parole de Dieu. Nos cœurs doivent être des bonnes terres dans lesquelles germera, poussera, grandira, fleurira et portera du fruit, c'est-à-dire la parole de Dieu que nous écoutons. La parole de Dieu que nous écoutons chaque jour pour certains et tous les dimanches pour d'autres doit porter des fruits en nous. Et ces fruits sont la bonté, la charité, la patience, le pardon, la miséricorde, l'amour, la paix, et j'en passe. En effet, la parole de Dieu nous transforme de l'intérieur. Elle nous pousse à la conversion et à la fidélité en Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous aide à cultiver l'espérance dans toutes les circonstances difficiles de nos vies. La parole de Dieu nous aide à ne pas nous décourager dans les situations difficiles que nous rencontrons. Elle est là pour nous soutenir. La parole de Dieu est comme un garde-fou pour nous. Frères et sœurs, dans la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel,
Le prophète attire notre attention aujourd'hui à travers l'histoire du peuple d'Israël sur l'infidélité, n'est-ce pas, de ce peuple vis-à-vis de Dieu et sa parole. Comme nous le savons, frères et sœurs, Israël était le peuple choisi par Dieu. Malgré que ce peuple n'a pas été fidèle à Dieu, Dieu, lui, est resté fidèle à ce peuple. Dieu a été pour Israël un père qui a toujours manifesté son amour, sa tendresse, sa miséricorde. Dieu s'est toujours sacrifié pour le bonheur de son peuple. Et oui, frères et sœurs, comme vous le savez déjà, aujourd'hui nous célébrons la fête des pères. Et je voudrais présenter à tous les papas ici présents cette belle image de Dieu, Père, pour son peuple. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre vocation de papa, parce que être papa, c'est une vocation. Oui, que cette grâce vous accompagne dans votre vocation de papa, afin que vous soyez pour vos enfants, pour vos petits-enfants, des papas pleins d'amour, de miséricorde et surtout prêts à se sacrifier pour leur bien-être. Être papa, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident. On ne naît pas papa, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Et cela me rappelle une histoire que j'ai rencontré dans mon pays. C'était un jeune, d'accord, qui est venu me voir. Il dit, mon père, comme tu vois, moi je voudrais devenir papa. Je lui dis, devenir papa pour toi c'est quoi? Il dit, mais c'est faire un enfant et puis c'est tout. Donc, une fois que j'aurai fait un enfant, je serai papa. Je dis, eh bien tu te trompes. Parce que être papa, c'est pas seulement de faire les enfants. Être papa, c'est une responsabilité. Et la paternité est, n'est-ce pas, complexe. Ce n'est pas simple, ce n'est pas ce que nous pensons. C'est ainsi, frères et sœurs, qu'un père doit être proche de ses enfants dans leurs circonstances de joie, de peine, de peur et d'angoisse. Les enfants ont besoin de trouver un père qui les attende lorsqu'ils reviennent de leurs erreurs. Ils feront peut-être tout pour ne pas l'admettre, pour ne pas le faire savoir, mais ils en ont besoin. En ce jour, je fais aussi mémoire, comme je l'ai dit déjà, d'une façon spéciale de nos pères qui continuent à nous protéger depuis le ciel. Voilà pourquoi je nous invite à prendre une minute de silence et pensons à tous nos papas qui nous ont précédés dans la maison du Père. Que par la miséricorde de Dieu, leurs âmes reposent en paix. Merci Seigneur pour le don de la paternité. Nous te confions tous nos papas, qu'ils trouvent beaucoup de joie dans cette vocation qui est la leur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, après la communion, je vais procéder à la bénédiction de tous les papas ici présents. Donc, je vais les inviter à venir ici en avant et nous allons faire une prière. Et après ça, je vais, n'est-ce pas, les bénir avec de l'eau. J'espère que c'est noté. Après la communion. Merci. Je nous invite maintenant, frères et sœurs, à professer notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Mamou, nta pritao chemdo kaukusit kasino kanda uta. Jesus Christ, have you sent Shem to us? On one cat, we did the man, Ego ya vetei unanote gutia poetman.
Prière universelle à la page 12 de notre Prions en Église. Page 12. Demandons au Seigneur de faire croître les germes du royaume. Mamou, nous répondons, que ton règne vienne, Seigneur. Mamou. Prions pour l'Église, qu'elle ne cesse de semer la parole de Dieu et de témoigner de l'amour divin pour toutes les personnes sans distinction. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les élus des gouvernements, qu'ils mettent la justice, la dignité et le respect des citoyens et citoyennes au centre de leurs décisions et fassent grandir la paix. Que ton règne vienne, Seigneur. Pour les gens éprouvés par la maladie, le deuil, la pauvreté ou la violence, qu'ils trouvent sur leur route des semeurs et des semeuses de compassion, de tendresse et d'espérance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour les pères que nous fêtons en ce jour, que l'Esprit-Saint les guide et les soutienne dans leur désir de permettre à leurs enfants de croître dans l'amour, la sécurité et la confiance. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent fidèles à la parole semée dans leur vie et qu'elles gardent confiance en l'avenir malgré les difficultés. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous pensons à toutes les personnes malades de nos communautés, Ouachat et Maliotenam, que le Seigneur leur accorde la guérison. Prions. Amen. Que ton règne vienne, Seigneur. Prions. Dieu, notre Père, fais de nous des semeurs et des semeuses de ton amour et de ta paix dans le champ de notre existence. Puisque nous sommes limités et fragiles, que ta puissance de vie agisse en nous. Ainsi, nous contribuerons à la progression de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Yeah.
Mamou, et miata on dit que pêche no moakan, nous tam, et mieux mamouton au pêche nakan. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Deo tchechouchkinis tchikous, katupenumut kienetchem domnan, katupendakshet tinmak menumando, dish eyaput kieyaput. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Chi-chi-toi, Kati-pentak, chi-chi-toi, Eya-pito-sha-chi-yon, Ta-pu-ne-te-wa-shko-nas-ta-go-no-sho-chi-yon, Hosanna, Tewende, Washkun, Chichitwa, Chichitwa, Kati Pentak, Chichitwa, Eyapito, Shachiyon, Chishemani to chimashtima wenimaka Osana te wende washkun Chichitwa kati pentak chichitwa Eya pito Prière eucharistique numéro 3 à la page 15 de notre prion en Église. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nashkumatao Sheshush Kapokuitok. Nan kan pin chin kat pin bia shesh cham noa cham nan kayab chi pai ti shwin st shwab mat nan che ta kwashnin En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Kat penmiat wetsita chetemion mamuton kamshetwepen espetesh kamkat timan tautiten nete wut chatitun mamu che kamitwachet penahwe kienka emetwachemnan champien kietchen katesesh toi chetenimat chesitut kie nikaeshnan kanopod e chutientakao che a petit patao kie kasino inot kanakatakao sino. Nous prions spécialement pour Normand Fontaine, Sylvie Régis, Clémentine et John Grégoire, Stéphane Roch et lui André Ambroise, Paul-Émile Fontaine et Chrysologue Bacan. Pitekid n'était qu'Aten, Kamenoisten, Masten, Tchepe Kouchen Metnan, Espech, Menteyen, Tapueta Tchitsi, Tayat, Chet, Katesh Nashkuot, Mani, Katitua Ventakus, Chemdo, Ukawi, Shet, Titua Shushep, Unapem, Mamu, Chichewan, Kiekasinu, Titua Ut, Kachatiskau, Cheti, Minukuyat, et à Petignon. Kieche neke Metmat, Chetesh Peten Takushun, Neteut, Chekus, Kachatikusit, Cheshush, Knish. Le par lui, nous prendrons ensemble. Mamou. Théo Twin, Che Twin, Tetri Twin, Chima, Chim Chemando, Kaukusi, Casino Kanda, Tain, Mamou, Mamando, Manoajam Green, Gage, Patenum Green, Eyapet, Kayapet, Chimay. Et maintenant, frères et sœurs, je nous invite à reprendre cette prière des enfants de Dieu, cette belle prière du Nutawinan, et en la reprenant, nous allons penser justement à tous les papas que nous connaissons et même ceux que nous ne connaissons pas. Mamou, Nutawinan. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux et heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui-là qui enlève les péchés du monde. Que le corps et le sang du Christ nourrissent nous. Vous deux, vous pouvez aller là-bas. Ouais. La page 246. Yeah.
Avant la bénédiction des pères qui sont ici présents, je vais nous inviter à prendre d'abord la prière après la communion qui se trouve à la page 23 de notre prions en Église. À la page 23. Mamou, cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, j'invite tous les papas ici présents, ceux qui peuvent bien se mouvoir, à venir ici en avant. Mais ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent rester sur place. Je passerai, n'est-ce pas, leur donner la bénédiction avec de l'eau. «
tous les papas ici présents, même les futurs papas. Même les futurs papas. Ok, ça ne sera pas long, je vous explique. Nous allons commencer par la prière, d'accord? C'est une prière que nous adressons à Dieu pour tous les papas par l'intercession de Saint Joseph, d'accord? Après ça, je passerai. Mettre de l'eau, c'est de l'eau bénite, d'accord? Vous allez recevoir de l'eau bénite chacun et vous allez vous signer. Après ça, vous pourrez vous retirer tranquillement. C'est correct? Prions. Saint Joseph, Père adoptif de Jésus, nous te prions en ce jour pour tous les papas de nos familles et de notre monde. Comme toi, l'homme toujours à l'écoute, qu'il soit pour leurs enfants, pour leur famille, une présence d'écoute et d'attention. Qu'ils ne soient jamais préoccupés par des soucis autres que celui du bonheur, du dialogue et de la charité familiale. Comme toi, l'homme travailleur, qu'ils accomplissent leur rôle dans leur famille, dans leur milieu professionnel ou dans l'Église avec beaucoup de joie et de simplicité, beaucoup d'amour et de sérénité, beaucoup de respect et de tolérance. Comme toi, l'homme disponible, qu'il sache regarder le monde avec beaucoup de foi, d'amour et de respect, et que par leur regard, ils apportent aux autres l'encouragement et la force dont ils ont besoin. Comme toi, l'homme en route, en toutes circonstances et particulièrement dans celles les plus ardues, qu'il ne cesse de garder la foi et de conduire à l'espérance ceux et celles qui les entourent. Amen. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kenen and Skmo and just wait out what Nanway, they were having a second check out.
Sylvie Mirambois, ce qu'il m'a dit. Mardis, mais tu n'as pas de nous, tu es une web, ce que moi j'ai mandé pour avoir des dispensés de Chitavendao, tu es Katawa. Pardonne-moi, père. Est-ce que tu me pardonnes? C'est vrai que vous étiez un peu pressé, mais la messe n'est pas encore finie, là. Alors, maintenant, je vais inviter, n'est-ce pas, toutes les mamans ici présentes, d'accord, à applaudir pour tous nos papas, pour leur exprimer notre amour et combien nous sommes fiers de les avoir. Bon, ensemble maintenant avec les papas, allons-y. Bonne fête des pères encore. Et maintenant, levons-nous pour prendre la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons toujours dans la paix, la joie et l'amour du Christ. Bonne fête encore. Okay, vous pouvez parler maintenant. Ah, il veut tenir un bout de style qui est bien. Que Dieu nous souhaite tenir bonne fin et donc c'est notre amour de tâche. Et nous, ma question est que bien nous avons gardé tenir. Je dis, mais tu n'as l'autre mais moi, j'en ai gardé d'un autre de mes tehibit. Et donc nous, mes tehibit peut être d'un autre détail que nous est arrivé. Et nous, tu puisses te battre mustard. Non, de nous, mais un bon hémen de bniser mais notre amour. Je crois que nous, et donc nous, de ce pendule d'être fermé. Que nous gardons rien que nous, je n'ai rien à souhaiter de tâche. De où l'acte fouquet, ça, de où. Oh, oui, vous venez nous d'ouvrir notre nouveau napiben, ça, et que vous avez madié nous, au Tibia, de comme nous ici, ouais, nous gâtez nous, et maintenant, hop, chez chez nous, mais c'est un nénu, et nous, on était, il était en 2006, là, c'était nous d'ouvrir ça. Et moi, j'ai dit, toi, y a des gens, ou t'as eu au gars, on y a ça, n'a tellement de tout d'oeil, nous, et n'a pas de m'daouer, tu guides, nous, et mon, et nous, qu'est-ce que c'est un nénu de taille, et nous, qu'est-ce que nous, j'ai, ou j'ai, c'est toi, ou bien, y a des notes, si toi, d'oeil, ça, c'est d'autres motos, nous, qu'est-ce que nous, le bureau de la protection des droits, Raoul, question de l'équipe Mitchabum, de Ponte, André Michel, Kenjen, l'équipe au détat, nous sommes maintenant. Donc, bonne fête des pères, nous sommes tous. Bonne fête, nous sommes tous. Mike McKenzie. Je suis venu à la maison de 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 la
quand on veut dire Claude, mais quand j'ai une des boîtes, tu es joué des messieurs, nous on a ni budget. Une des boîtes, tu es joué de rabot, tu es spécial, Michelano, tu es joué ma sanot, ni hône, stos, un agamo. Quand on a pas de chien, on a chien, Okay, my son, somebody would take a panel this money, bonnet, but I said, what? Let's go, don't you join, Vincent? Yes, sir, a pied micro, Quick, I'm going to go to the web. Hey, là, il nous voit, bien au stèle, c'est un. Go, oui, il nous montre bien, good, excellent. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonne fête des pères. Papa. Merci beaucoup. Liebe de Grand. Je suis Chirène. 1, 2, V, 3. Hey,
man, dan dim mati de te ya. He won boge, he won boge, he won boish na buchi. Ring den natum katayan, chish ma buyesh chi de te ya. He won boge, he won boge, he won boish na buchi. Als je hier weer naast is, zwaai me nog aan de moeis. Chayout, moet chayout. Wat doe je als je dan is? Vegetarien. Hai, nooit vegetarien. Wij was het niet de moed, maar mijn moed is wel. Tup, 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 tup. 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 Ik ga naar haar goed even. Zo was het ons dus? Ik ga stemt lappen. Devenir Raoul. Attends-toi, tu te poses une. Ah ouais, Raoul. Ah, mais il y a un peu quoi plus tard, hein? De... Hein? Ou t'as que ça, ou t'as que ça? Ah ouais, t'as que ça, celle qui est ma mourante.
pas trop. Buena notte, Chuchanchko Kamuchitish Radio da. Chanak Buddha Dosi Shubu Dad, the way she got Chishaga. Chichishachwa, the bit cheese, Fiji want to. Vera Kshunde e Luate Quat Un Gigi do Abandi Wichwat No a Shukte te Chishtwa no Shintat Pisho Shukas de Mune Chumo Pitsenta Gwenu Chishti Chindu Abad A Chichi Shachwa Pende Pechi Chichi Wan Tuo Catherine Bun, Patouan, t'es petit, c'est tassé. Patouan, des chatois, petit choix, des bédignes. Ok, les alliés, oh! Ah, oh, la police! Ah, ils viennent me chercher, faut que j'y aille. Bon dîner, allez manger, mais mangez bien. Hey Pierre! Pierre! Ça va Pierre? Good. Content de te voir Pierre. Bonne journée, bonne journée.